Le 30 août prochain, les émissions quotidiennes feront leur grand retour sur les écrans. Quotidien ne déroge pas à la règle, tout comme ses concurrents et à vous et touche pas à mon poste. Pour le talk show de TMC, cette rentrée est marquée par l'annonce du départ de deux chroniqueurs phares de l'émission. En effet, Paul Larouture ou Kitiane Barthet pour rejoindre Rutel Krief sur LCI et Salia Braclia souhaitent se consacrer à France Info pour l'année électorale à venir. Néanmoins, le chroniqueur média de l'émission Julien Bellevé ne devrait pas manquer à l'appel. Mieux, il présentera même son propre prime team dès le mois de septembre sur TMC. À l'instar de ses camarades Étienne Carbonnier qui a présenté Cana 95 ou encore Martin Way et ses diverses enquêtes. Le 8 septembre, le natif de Béziers présentera ainsi 21h Média à 21h15 sur TMC. Qui est une adaptation du format de sa chronique quotidienne 19h30 Média. Cette première émission sera dédiée aux attentats du 11 septembre 2001 afin de marquer les 20 ans de ce terrible événement qui a terrassé la ville de New York et tué des centaines de personnes. Julien Bellevé propose un document exceptionnel pour revivre le choc de cette journée. À travers les médias qui ont raconté l'événement, a rapporté la chaîne dans un communiqué. Pendant plusieurs semaines, le journaliste de 39 ans et l'équipe de tournage se sont ainsi plongés dans les archives des éditions spéciales. Des journaux télévisés des chaînes françaises et américaines, de la première prise d'antenne française sur LCI à 14h50 jusqu'aux documents exceptionnels tournés par les journalistes au plus près du chaos, a indiqué TMC. Ainsi, le documentaire fera revivre aux téléspectateurs cette journée historique minute par minute. Parmi les intervenants, on pourra notamment retrouver David Pujada, Élise Lucet ou encore Étienne Lénart. On a hâte de découvrir ce premier numéro.